chers amis, tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de me remettre ces insignes malgré un mandat qui était très chargé, des voyages pas toujours faciles et la lourde responsabilité aux côtés du président de la République de porter la voix de la France dans le monde. Au cours de mes voyages, j'ai observé que cette voix singulière est attendue et écoutée. En entrant dans votre ministère, il y a quelques instants, je relisais ces mots prononcés par l'un de vos prédécesseurs, Aristide Briand. Je cite « La France ne se diminue pas quand, ne servant que des idées de progrès et d'humanité, elle se dresse et dit à la face du monde « Je vous déclare la paix ». Ce message ambitieux de paix, de stabilité et d'harmonie est votre héritage et reste un combat. À notre modeste échelle, c'est aussi au fond notre engagement. Nous essayons d'y contribuer du mieux que nous pouvons en pansant les plaies, en portant secours aux personnes affectées par les désordres du monde. Dans cette aventure et cette entreprise de 25 ans que je vous remercie d'avoir retracée, je souhaiterais revenir d'abord sur les rencontres qui l'ont fondée, l'esprit qui nous anime et nos ambitions pour demain. Une histoire et l'histoire d'ACTED, c'est d'abord une histoire de rencontre. La plus importante, bien sûr, vous l'avez citée, celle de Frédéric Roussel, sans qui rien ne serait arrivé. Mais aussi toutes les personnes rencontrées alors que nous posions les bases d'ACTED. Ces personnes, dans un scepticisme assez général, nous ont conseillé et nous ont fait confiance. Certains sont là aujourd'hui, et j'en vois plusieurs aujourd'hui, ici, dans cette salle. L'histoire d'ACTED, c'est aussi l'histoire d'une approche différente. Un souhait initial de réfléchir hors du cadre, vous l'avez rappelé, ce que symbolise notre logo. Comment relier 9 points en 4 traits sans lever le stylo? J'invite ceux qui parmi vous seraient tentés de résoudre ce problème à le faire sans regarder notre logo, qui apporte la solution. Au cours des années, nous avons tenté de rester fidèles à cet esprit, en gardant toujours une soif de comprendre et un esprit d'entreprendre, qui a progressivement, j'espère, formé l'esprit d'ACTED. Un humanitaire un peu différent, à la fois modeste, réaliste et ambitieux, au service du meilleur des mondes possible. C'est dans cet esprit et dans la conviction qu'il fallait accompagner et enrichir notre action que nous avons créé et développé autour d'ACTED des initiatives Oxus, Impact, Convergence notamment. Ces initiatives sont à mes yeux indissociables. Notre ambition pour demain, elle part d'un constat. Puisque nous ne pouvons pas changer de planète, changeons le monde pour un monde zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Cette vision pourra sembler légèrement utopique, mais nous allons la porter avec en même temps, comme toujours, modestie, réalisme et ambition. Ces insignes que je reçois aujourd'hui de vos mains, je veux d'abord les dédier à l'ensemble des équipes d'ACTED. Ce sont elles, en effet, qui partout dans le monde, et souvent dans un contexte des plus difficiles, œuvrent au quotidien avec une grande abnégation pour aider ceux qui en ont besoin. Ces hommes et ces femmes, aujourd'hui, plus de 5000, mettent leur enthousiasme et leurs compétences à accomplir au mieux leur mission. Je veux associer à cet hommage tous ceux qui, au cours des 25 dernières années, pour quelques mois ou pour plus longtemps, ont apporté leur engagement à une tâche sans cesse renouvelée depuis nos premiers jours à Kaboul. Merci à eux, merci pour leur altruisme, pour leur courage, leur esprit d'entreprendre et leur fidélité. Cet esprit, nous le partageons avec tous les membres de l'Assemblée Générale d'ACTED et en particulier avec nos administrateurs, qu'ils se trouvent à nos côtés depuis les premiers jours ou qu'ils nous aient rejoints au fil du temps. Je tiens aussi à les remercier pour leur implication, leur loyauté et leur soutien sans faille, notamment dans les moments les plus difficiles de l'histoire d'ACTED. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance aux nombreux partenaires qui, de façon croissante, nous ont fait conscience en nous appuyant, en nous finançant. Cette année, avec leur contribution, nous soutenons plus de 12 millions de personnes dans la reconstruction des vies et des territoires. Monsieur le ministre, je voudrais saisir l'occasion pour saluer devant vous la relation de confiance et le respect mutuel que nous avons avec l'ensemble de vos services, et en particulier avec le centre de crise, qui est devenu, au fil du temps, un interlocuteur privilégié. Sur un plan plus personnel, je tiens à remercier ma famille, toujours enthousiaste sur mes projets, et mes amis ici présents qui ont toujours su comprendre mes retards quasi systématiques à tous nos rendez-vous et nos dîners. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, et en tant que femme, j'ai bien sûr une pensée pour toutes celles que nous aidons au quotidien. Ces femmes sont les piliers indispensables de la reconstruction de leur famille, de leur voisinage et de leur pays.
Elle porte l'espoir d'un avenir meilleur. Je pense aussi, bien sûr, à toutes ces jeunes femmes engagées dans ACT-AID qui occupent des postes à responsabilité à Paris comme dans nos pays d'intervention. 50% de nos équipes sur le terrain sont dirigées par des femmes. Aujourd'hui, au Yémen, en Irak, en Somalie, en Syrie ou encore en République centrafricaine, ce sont des femmes qui assument la direction de nos missions et ce ne sont pas parmi les plus faciles. Enfin, et surtout, à titre personnel et au nom d'ACT-AID, je souhaite rendre hommage aux salariés d'ACT-AID qui ont perdu la vie, que ce soit de manière accidentelle, du fait de criminels ou de terroristes. Ils sont tous les jours au cœur de nos pensées et nous invitent à poursuivre l'engagement qui était le leur avec nous. Monsieur le ministre, chers amis, je vous remercie.